Alors, ça y est, c'est bon ? Vous êtes tous là ? Ouais, c'est bon. Eh ben, bienvenue pour la suite, alors. Ouais. Ouais. La suite des chroniques de Corinne Sibus, bien sûr. Vous êtes chaud ? Ouais. Ouais. Fatigué. Ouais, fatigué. Il est tôt le matin, hein. Donc, voilà, c'est une nouvelle session. Il est 5h du matin. Non, c'est pas vrai. Pas vrai, il est 11h. En tout cas, c'est... Les gars. Mais bon, certains ont peut-être pas eu leur petit café. Moi, j'ai eu. Si, je l'ai eu. Mais je bois pas de café. Et que Azur qui en boit. Donc comment t'avais dit La potion brune magique. Potion brune du matin. Du matin. Potion magique brune du matin. N'a pas eu ta potion brune magique du matin. Ok, bon, j'ai fait un petit résumé, mais juste partiel de l'épisode précédent. Et pour les résumés des épisodes suivants, on verra si c'est peut-être pas plutôt l'un de vous qui allait le faire. Ouais. Si vous êtes chaud, en tous les cas ceux qui seront les plus chauds. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, en fait, ça va pas être très compliqué. Vous avez réussi à vous échapper de l'île des pirates. Vous avez découvert un passager dans la cale. Voilà. Qui n'est autre que le fils du gouverneur que vous étiez censé aller chercher ailleurs. Et vous avez appris par le fils justement que sa sœur était restée avec les pirates. Voilà. Vous avez combattu un Cthulhu qui n'était pas adulte. Vous en êtes venu à bout et vous avez continué votre chemin jusqu'à Silac. Un retour au port de Silac. Voilà. Et là, vous êtes toujours sur le bateau et vous voyez Silac au loin. Et le bateau arrive tout doucement à l'entrée du port. Je ne sais pas si vous voulez encore faire des choses au niveau du bateau, quand tant que vous êtes sur le bateau. Donc là, on est en début de journée. Bah, peut-être pas au niveau du bateau, mais peut-être s'arranger entre nous pour savoir ce qu'on va faire durant la journée. Allez-y, les gars. Donc, récapitulons. Nous avons trouvé le gamin dans la cale. Et il faut le ramener au gouverneur. Et à partir de là, discuter avec lui des nouveautés et de voir ce qu'on peut faire. Et éventuellement se préparer. Tout dépendra du temps qui nous est alloué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, il y a aussi un souci auquel on n'a pas forcément pensé. C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interaction qu'on avait avec le gouverneur. On lui avait conseillé d'aller se réfugier dans un endroit secret, discret, le temps qu'on retrouve ses enfants. S'il a vraiment fait ça, on va avoir du mal à le retrouver. Ouais. C'est vrai que... Enfin, t'as bien qu'il nous mette un peu au courant de où est-ce qu'il allait, mais... Est-ce qu'il a rappelé une correspondance Un de ses hommes de main, peut-être ? Bah, je pense que la meilleure solution, c'est de se diriger vers chez lui pour voir s'il n'y a pas, comme tu dis, hein, des hommes de main, du gouverneur et des trucs comme ça. Ça va ? Ouais. Très bien. Rien à dire. Ouais, bah, du coup, on va retourner chez le gouverneur. Oui. Donc, planning de la journée, on emmène nos gamins chez le gouverneur et à partir de là, on avise. Ça va. Ok, rien de plus ? Non. Bah, on verra si on a du temps, il y a peut-être un marché, des trucs comme ça. Tout à fait. En fait, le bateau arrive tout doucement dans le port, donc le capitaine vous demande ce qu'il faut faire, enfin, il vous explique ce qu'il faut faire à l'entrée du port, hein, ramener les voiles, etc. visiblement, notre copine Marlène s'est fait des copains avec ses cinq pirates et ils lui obéissent au doigt et à l'œil. Dès qu'elle fait quelque chose, dès qu'elle demande quelque chose, ils le font. Donc ils ont été d'une grande utilité, justement, à un tel point que le capitaine se demande s'il ne va pas les embaucher. Donc le bateau arrive tout doucement, il s'installe à quai, et en arrivant... Il n'y a pas besoin de faire de jet, c'est assez flagrant. Il y a un attroupement assez important sur un côté du port, et vous vous demandez un petit peu pourquoi, enfin, je suppose que vous allez vous demander pourquoi il y a un attroupement, mais il y a clairement des voix, des éclats de voix, il y a des choses qui se passent d'un côté... Et vous n'arrivez pas à voir, parce que c'est un petit peu plus loin. Un petit peu trop loin, il y a un peu trop de monde. Mais bon, le bateau est à quai, et vous allez pouvoir donc sortir du bateau. Que faites-vous ? Moi je propose au... Le gars, il y a un attroupement.
mort de gens. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Tu voudrais bien profiler entre les gens pour aller voir. Ouais. Ça peut être intéressant pour nous. On peut te récolter des informations, peut-être. Et voir si on peut... Vu ta taille, tu veux passer entre les jambes, non? Je suis Bouboule. Tu peux rouler entre les jambes, Jésus, je te dis. Bram, il peut bien faire ça pour moi. Bah, vous pouvez y aller à plusieurs. Moi, je vais. Je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, c'est aider le bateau à s'amarrer. Si vous voulez y aller, allez-y. Hein. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'y vais. On y va ? Oui, allez, c'est parti. Moi, j'ai contribué à aider le bateau à s'amarrer, à sortir gentiment les personnes, les différentes affaires qu'il y a dans le bateau, etc. Je reste aider Azur. Tu es Azur ? Ok, donc vous restez pour l'instant sur le bateau, vous aidez à. À sortir peut-être ce qu'il y a dans le bateau aider les gens à. Les Jade ? Moi je mets ma capuche, ma cape politique et j'y vais discrètement. Et tu vas discrètement, à quel endroit tu vas ? Voir les foules. Ok. Donc Dorial et Bram, vous partez ensemble avec Jade, qui elle apparemment s'éclipse un peu avant l'arrivée de la foule. La foule est assez dense, donc c'est pas évident de se faufiler. Vous voyez Jade qui part sur le côté, derrière les bâtiments, etc. Vous essayez, vous ferez plus ou moins un chemin pour aller voir ce qui se passe. Quand vous arrivez devant, vous avez une grosse surprise, c'est que vous voyez la moitié d'un Cthul qui est encastré dans un bâtiment. Comme s'il était venu s'échouer sur le côté du port. Et au-dessus, c'est un troquet, c'est un bar, qui visiblement a été quelque peu endommagé. Et vous entendez des brouhahas de personnes qui sont pas très contents de ce qui est arrivé. Certaines personnes essayent aussi de prendre des morceaux du Cthul, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Pendant ce temps-là, attends, vous deux, oui. D'ailleurs, j'envoie Akuma aller voir vraiment de plus près ton petit chat qui s'est baladé par là. Parce qu'il est attiré par nous, d'ailleurs. Ok, voir s'il n'entend pas des conversations ou des trucs pareils. Pour me rapporter. Ça va, ok. Pendant qu'elle fait ça, vous deux, vous discutez avec le capitaine, hein, et il est content que vous veniez donner un coup de main. Lancez-moi tous les deux jeux un jet de perception. Oui. Le premier jet, il y a là, on les vote. On lance en même temps. Et tu le vois aussi, perception ? Oui, on lance en même temps. Ouais. C'est parti. 2, 3, 2, 1. Renard. Super. 15. 6. Ok. Donc, Fidélis, pendant qu'il est en train de t'aider à transporter une caisse à vous deux, il voit du coin de l'œil Flamdoc qui regarde, qui est comme ça. Et il s'en va, il s'échappe, mais discrètement. Flamdoc a l'air bizarre. Je sais pas si t'as vu, mais. Il est où ? Et il était là un instant, mais il cherchait quelque chose. T'as vu ce qu'il est parti ? J'ai vu dans le... Oui, tu l'as vu partir. Il est parti à la direction opposée de l'attroupement. Il est parti à l'opposé de la foule. Et là, d'un coup, je laisse tomber la caisse, boum, par terre. Et là, je regarde Félix et je lui fais... Fais-moi un jet de dextérité. Sur boum, c'est bon. C'est bon, j'ai... Ah oui, 19 de passe. Ça va, t'as eu le réflexe de retirer tes pieds. Là, je regarde, je fais, faut qu'on te suive. Mais oui, donc on va suivre Van Dock. Ben, on suit Van Dock. Ok, donc vous suivez Van Dock. On revient à vous trois. Ouais. Vous deux, vous êtes entourés de la foule, donc vous avez surtout un brouhaha de foule. Il y a Akuma qui a été se balader, qui en a profité pour grignoter un petit peu le Cthul.
Et et vous deux, vous entendez un comment vous supposez que c'est le enfin, vous entendez un homme d'une force de stature qui là qui fait moi c'est pas possible cette histoire, mais enfin d'où est-ce que ça vient? On n'a jamais vu ça, il n'y a même pas d'orage. Comment est-ce que vous voulez que ce truc il tombe comme ça sur mon beau bâtiment? Je vais jamais pouvoir réparer ça. Je vais en parler au gouverneur, ça va pas aller, ça va pas se faire comme ça. Non, non, arrêtez, mais arrêtez de prendre. Je vais couper ce que tu voulais le vendre, au moins ça paraît une partie des frais. C'est quelle taverne? C'est une taverne qui était... C'est une taverne. C'était pas la tentacule bleue qui est plus dans le centre. Ici, c'est plus... Attendez. Port de Silac. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit curseur. Voilà. En fait, ici, c'est ici. C'est la taverne qui est ici au coin. Okay. Qui est ici au coin. Ouais, elle est là. C'est plutôt celle-ci. Voilà. Et le Cthulhu, il est arrivé, il s'est échoué. Sur la... Et vous êtes amarré ici. Hein, okay. C'est un des deux ici. Et l'autre, elle se situe, si mes souvenirs sont exacts, quelque part par ici. C'était en face, pas très très loin du marché qu'il y avait avant, qui était celui-ci. Et voilà. D'accord. Par contre, pendant ce temps-là, vous êtes parti par là, avec un suivre de Blamblock qui longeait donc, le port. Okay. je vais m'excuser, mais un petit coup parce que. La gorge en plus. Voilà, donc vous avez visiblement le propriétaire n'est pas très satisfait et il essaie de dire aux gens voilà, arrêtez de chipoter à ce Cthulhu, je vais essayer d'en tirer quelques piécettes. Entre-temps, Akuma est revenu et il n'a rien, en tout cas il ne te rapporte rien. Il a laissé surtout les sensations, il te donne des sensations et ces sensations, c'est j'ai rien entendu, mais passons en contre. Qu'est-ce qu'il était bon avec Cthulhu. Ah, Akuma il a bien aimé. Voilà, la seule chose que. Bah, vous deux, je reviens sous. Oui. Je vais voir le mec qui grogne un peu. J'arrive sur le côté, je tape un peu dans le dos et je fais. Alors, mon brave. Oui. Bonjour, Léna. Je ne vois pas d'inconvénient que tu prennes. Le Cthulhu pour financer tes réparations, mais le gouverneur est un peu occupé ces temps-ci, j'aimerais que vous le laissiez un peu tranquille. Oh, bah de toute façon, je vous le dis juste entre nous, je l'ai dit sur le compte de la colère, mais je sais très bien que la foule ici va pouvoir en faire ce qu'il veut et va pouvoir reprendre des morceaux, mais le gouverneur, ça fait quand même pas mal de jours qu'on ne l'a plus vu. Et honnêtement, si j'avais dû aller le chercher, j'aurais bien du mal, mais dites rien. Ok, du coup, vous ne savez pas où ce qu'il pourrait être. Ah, le gouverneur. Arrêtez de toucher. Ne touchez pas au Cthulhu, je dis. Non, c'est pas vrai. Je vais mettre des barrières, hein. Reculez. On l'a vu pour la dernière fois il y a 3 jours. Enfin, moi je l'ai vu pour la dernière fois il y a 3 jours. Mais il venait régulièrement au milieu des gens, lors des marchés. Et aujourd'hui, c'est le grand marché du mois. J'imagine que vous avez pu le remarquer. Ben, c'est vrai qu'avec ce qu'il y a ici autour, reculez, j'ai dit, bon, c'est pas vrai. Mais normalement, l'attroupement qui est ici, ils sont au marché ici un peu plus loin. Et c'est le plus grand marché du mois, il y a un monde de ouf. Et le général, le gouverneur, il vient. Il vient de dire bonjour et on l'a pas encore vu, mais moi je l'ai vu il y a 3 jours, mais je sais pas où il est. Non, ça malheureusement, certains disent qu'il serait encore enfermé dans sa demeure, d'autres prétendent qu'il est malade, mais voilà, c'est tout ce que je sais. Ok, d'accord. Bah, je vais vous laisser là. Ok, allez, ouais. Bonne journée, hein. Reculez. Simone. Va chercher la hache, on va régler le problème. On va couper les bouts. Ensuite, on passe sur vous deux. Oui. Vous suivez Vlamdok. Oui. Alors Vlamdok...
Van Dock, il est déjà loin. Et il arrive au marché. Et il rentre à l'intérieur des gens. Ah oui. Mais il est vraiment pressé. Ouais. Vous le rattrapez. Okay. Et là, vous êtes au milieu de la foule. Lancez-moi un jet de perception. Pour voir si vous arrivez à le voir encore. Je compte sur toi. 13 plus 4, 17. Ouais, bien sûr. 3. D'accord. Bon, bah tant pis. Attends, avec 17 ? Il a disparu dans la foule. Ah ouais. Le jet de difficulté était très haut parce qu'il y a beaucoup de temps, vraiment. Ben, j'interpelle des gens et je leur demande s'ils n'ont pas vu un petit gobelin bien habillé courir dans une direction. Ah, moi, j'en ai vu un, il courait là-bas, il est parti par là. Si, je vous dis, là, il est parti par là, avec des grandes oreilles et deux arbalètes. Oui, il est parti par là, dans le dos. C'est lui, merci, et je suis la direction. Je suis, du coup, Azur. Ok. Donc vous essayez de le suivre, vous jouez des coudes. Ouais. Et les gens évidemment sont tous... Mais enfin ! Pardon. Poussez-moi, excusez-moi. Et là vous le voyez, il s'est arrêté. Et il discute avec un marchand. Le marchand a quelque chose de particulier. C'est un marchand, il vend des victuailles, il vend de la nourriture. Il vend des pommes. Oh non. Il vend des fruits, voilà. Et c'est tout, on voit rien, on les voit juste discuter. Il discute juste, comment... Vlador, qu'il a l'air un petit peu énervé, et l'autre, il fait... Eh ben, je m'approche discrètement dans le dos de Van Dock jusqu'à arriver à sa hauteur. Merde. Quoi? J'ai oublié ma tour. Ah non. Oui. Salut. Tu vas faire un jet de discrétion? Non, c'est bon, il ne t'a pas repéré. Ok. Et au moment où j'arrive à sa hauteur, je trouve que tu me suis. Oui, enfin... un peu plus. Au moment où j'arrive à sa hauteur, je lâche. Alors, on fait ses emplettes? Et à ce moment-là, il est surpris, il fait... Et puis il fait semblant de rien. Là. Et il fait. Ouais, le bleu. Salut le bleu qui fait. Ouais, et alors? Ça te pose un problème? Bon, je sais pas, je trouve que t'avais l'air bien pressé pour quelques pâtisseries. Bah. D'abord, c'est du fruit. C'est bon pour la santé. Et ensuite, je fais ce que je veux. Je veux dire. Normalement, j'étais censé dans ce bateau pour aller ailleurs. Et on revient au point de départ. Et moi, j'ai des choses à faire avant de reprendre le bateau. Alors, je suis sorti, et puis voilà, maintenant, je discute avec un ancien pote à moi, hein. Salut Arthur. Et aussi, regarde. C'est vraiment un pote à... je m'adresse au gars. C'est vraiment un pote à vous, et j'essaye de voir s'il ment ou pas dans sa réponse. Ben, fais-moi... Non, d'abord, je veux savoir ce qu'il dit. Ah, ce qu'il dit, il te regarde, il fait... Un peu. Je fais un jet de... c'est quoi? C'est perspicacité. 18. Et là, tu vois que, malgré son air froid, il a l'air de dire la vérité. Donc, il le connaît un peu. Ça vous dérange pas si vous empruntez le truc qui parle fort et qui grinchote beaucoup? Laissez-nous terminer notre discussion, s'il vous plaît. Nous avons une discussion privée. Ensuite, il est tout à vous. Très bien. Et je m'écarte et je les surveille. Et là, t'as un qui fait... Ouais, mais oui. Oh, ça va, c'est de moi qu'on parle ici, hein. Ça suffit, maintenant. Bon, allez, le bleu. Dégage. Laisse-moi causer à mon pote. Moi, il m'a vu ou pas? Moi, pas je suis assez pur. Non, je me retourne vers Félix et je lui fais... Je ne supporte pas les marronneurs. Ouais, mais moi, je me rapproche. Je me rapproche, mais... Enfin, je reste prêt pour essayer de dégoûter ce qu'ils disent. Ok. On fait manger de perception passive. De perception. Yep. 17. 5.
Alors il y a beaucoup de bruit, il y a pas mal de brouhaha, t'es bousculé de temps en temps, donc c'est pas évident, mais t'arrives à choper quelques mots. Tu entends le mot rançon. Tu entends le mot parchemin. Tu entends kidnapping. Tu entends le mot aussi pirate. J'entends rien de tout ça, alors je fais comme si. C'est les petits mots que t'arrives à choper comme ça au milieu des phrases, mais t'arrives pas vraiment. Enfin, voilà. Et puis t'entends aussi longtemps, le mot longtemps, qui apparaît. Enfin, depuis longtemps. Tu vois. Tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Moi, je refais-moi encore un deuxième chien, s'il te plaît. Perception. Est-ce que je dois en faire un aussi? Non. Ouais, 9. Non, t'es plus loin. C'est fini, 9. Ah, c'est dommage. Du coup, t'entends rien de plus. T'entends rien de plus. Du coup, je rejoins Azur et je fais. A priori, il parlerait de kidnapping, de rançon, de pirate, donc a priori notre aventure qu'on a vécue. Rien qui pourrait être incriminé. Donc, il parle de rançon. De rançon. De parchemin. Parchemin aussi, oui. Pirate. Donc, ça peut très bien résumer ce qu'on a vécu, comme. Comme ça pourrait, oui. C'est pire, enfin ça. On va poser quelques questions à notre ami, je pense. Oui, hein. Donc, moi, j'ai simplement attendu qu'ils aient terminé. Bah, ils ont terminé. Donc, tu vois, Vlamdog qui fait. Il fait. Puis, il tend la main. Il serre la main. Au marchand. Puis, il regarde, comme ça. Puis, il fait. Et puis, il s'en va. En claudiquant. Il nous dit de le suivre. Ouais, et puis il s'en va en claudiquant. Très bien, bah on le suit. Ouais, on le suit. Ok. Vous trois. Ouais. Moi je me concentre avec Doriel. Ouais. Donc du coup il a bel et bien disparu il y a 3 jours. Oui, il y a trois jours. Oui. Alors la question là est de savoir où il est. Comme on l'a dit, ce serait peut-être plus intelligent d'aller voir dans sa maison. Si on nous laisse rentrer de base. Oui. Donc, moi je propose qu'on aille rejoindre les autres au bateau, qu'on leur dise ce qu'on a entendu. Oui, bien sûr. Bah... Comme Bernard a bel et bien disparu. Et cette histoire de Cthulhu c'est celui qu'on a perplexe. Hein. Bah, c'est celui qu'on a charcuté juste avant, monsieur. Enfin, monsieur. Mon gars. Ouais, ça brame. Ouais, bon, qu'il a échoué là directement sur la piste. Oh, il avait bien amoché, il a dû se reposer un peu, j'ai envie de dire. C'était un Cthulhu adulte ou c'était. Visiblement, vous. Bah, faites-moi un jeu de perception aussi, tiens. Je fais un aussi ? Non, je crois que ce sera pas nécessaire. 21, c'est parfait. En fait, tu as reconnu le Cthulhu parce que. Bah, tu l'as quand même méchamment amoché. Okay. Et tu connais tes coups. Et tu as reconnu ton doigté sur le Cthulhu. Donc, c'est bel et bien le Cthulhu que vous avez défoncé. Ok. Bah donc du coup, oui. Il s'est échoué là, il a pas une bol. On aurait dû le dédommager, mais malheureusement, j'en ai trop pour mon argent, donc c'est mort. C'est un peu de notre faute, il a échoué là et que sa taverne a un peu été endommagée, donc. Non. Si ? Non. Ah si. Non. Mais tu vas le laisser tranquille, le vieux, oui. Ouais, c'est pas grave. Moi, je propose du coup qu'on aille rejoindre les autres. On va dire que bon bah on n'a pas récolté trop d'informations mais on va se diriger vers le palais, je sais plus. Sa demeure. Sa demeure, oui. Ouais. Et voilà, donc du coup on se dirige vers le bateau. Voilà, on va se diriger vers le bateau. Toi. Donc vous deux vous dirigez vers le bateau. Toi. Jade. Tu es où pour l'instant?
Je suis un peu à l'écart de la foule, mais toujours avec un peu en hauteur pour avoir une vision. Ok, donc tu es monté sur une petite maison qui est sur le côté, qui a un toit plan. Mm-hmm. Et à un moment donné, derrière toi, il y a une petite porte qui s'ouvre. Il y a un homme, une stature petit, un peu racrapoté sur lui-même. Dorian ? Une pomme. Miss Elf. Oui, moi ici là, voilà, moi. Bonjour, je me présente. Je suis Belfort Martineau. Je suis en fait, c'est le gouverneur qui m'envoie. Le gouverneur ? Oui, il m'a dit que vous vouliez me parler il y a de ça quand même plusieurs jours. Je suis les oreilles du gouverneur. Et il m'a dit il y a plusieurs jours que vous vouliez me parler. Et je vous ai cherché longtemps et je ne vous ai pas trouvé. Oui, c'est parce qu'il nous a envoyé en mission. Et on vient de rentrer de mission, plus ou moins. Mais il m'a dit de continuer à vous chercher malgré tout. Parce que on a eu des informations comme quoi votre bateau avait été arraisonné par des pirates. Oui, en effet. Et il était relativement inquiet, évidemment. Si vous voulez, vous pouvez me suivre. Venez, nous allons descendre à l'intérieur de ce bar. Vous verrez, il y a quelqu'un que vous devrez rencontrer. Ok. Je descends seul et je laisse Akuma en dehors de... Enfin, là où j'étais. Et que normalement, on est lié par un truc. Donc si jamais il m'arrive quelque chose de mal, elle sera quoi ? Ça va. Donc je descends et je suis le monsieur. Belfort. Il s'appelle Belfort. Je suis Belfort. Donc tu descends et là tu arrives plus bas et il te fait passer par la porte arrière du bar qui a été défoncée par le calmar. Hein, tu rentres à l'intérieur et effectivement il y a pas mal de bordel. Sur le côté il y a une petite Oh, il a bien tout défoncé. Effectivement. Il est un peu énervé. Et alors, là-bas, ici, là, je vois pas, j'ai des reflets. C'est une table. T'es là. J'ai que des reflets. Il y a une table ou une chaise. Ouais, il y a une table. Oui, une table. Voilà. Une chaise rouge et une table. Eh bien, assis sur cette chaise, il y a le gouverneur. Ok. Je suis posé sur le rouge. Et là, il te regarde, il fait « Ah, Jade ! Ah, mais je suis content ! Je suis content de vous voir !» Vous n'étiez pas censé partir ? J'étais caché, je ne ressortais que de temps en temps, mais quand il y a eu le problème du Cthulhu, je n'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je vienne voir. Et mon ami Pelfort vous a repéré. Enfin, t'as repéré, toi. Enfin, on se tutoie. Oui. Ok. T'as repéré toi. Et du coup, je me suis dit que je pouvais me planquer ici à l'intérieur. Je ne risquais pas grand-chose à cet endroit-ci. Et je voulais discuter avec toi pour savoir si ça allait, parce que j'ai entendu. Il y a des pêcheurs qui ont vu deux bateaux les uns à côté des autres. Ils n'ont pas osé s'approcher, mais ils ont assisté. Et ils ont entendu des coups de canon, et ils sont partis, mais on ne savait pas si vous alliez bien ou non. Et j'ai demandé à Appelfort de mener l'enquête. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, pas de nouvelles. Et on ne s'attendait pas du tout à ce que vous reveniez ici, et certainement pas si rapidement. Pour nous, vous aviez peut-être disparu, ce qui m'inquiétait un peu, par rapport à la quête que vous étiez engagé à faire pour moi. Mm-hmm. Bah en effet, on a été pris d'assaut par des pirates qui nous ont emmenés sur l'île aux dragons. Là, on a réussi à s'échapper avec le bateau avec lequel on est venu.
et on est revenu au camp de Silek. Mais j'ai quelques questions quand même pour vous. Oui, 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 dis-moi. Pour la quête, justement, vous nous avez dit que vos enfants avaient été kidnappés par... C'est la secte de... Mes enfants ont disparu. Comment ça s'est passé? Mes enfants ont disparu. Ils étaient avec leur nounou en train de se balader sur le port. Et à un moment donné, quand elle s'est retournée, elle a vu deux personnes avec des sacs et en train de courir. Et les enfants avaient disparu. Et elle a supposé que les enfants étaient dans les sacs. Elle a couru après, mais elle les a perdus. Et elle sait à quoi ils ressemblaient, ces gens-là? C'était, il y en a un des deux qui avait un tatouage sur le dos. Mais elle ne savait pas nous dire ce que c'était comme tatouage. Est-ce que ça ressemblait à une genre... Est-ce que ça ressemblait à ça? Et je donne un coup de pied dans le... Il faudra poser la question à ma servante. Ok. Là, elle s'en souvenait pas à l'époque. Peut-être que... Pourquoi, vous avez vu des personnes avec un tatouage de Cthulhu sur le dos? Mm-hmm. Sur l'île. Bah, en fait, on l'a ramené d'ailleurs. Il est avec nous. Il est sur le bateau, accroché au mât, et mort plein. D'accord, un pirate, quoi. Oui. Mais vous avez pas eu... Enfin, voilà, c'est tout ce que vous savez. Il n'y a pas eu de, je sais pas, quelqu'un qui vous a demandé une rançon, ou quelqu'un qui... Après ça, on a cherché mes enfants. Et moins d'une heure après leur disparition, un moine de Cthulhu est venu nous dire, nous avons vos enfants et vous les récupérerez. La secte de Coqlèche. De Coqlèche, pardon. Oui, c'est moi qui dis pas ce que je dis. De Coqlèche sont venus en nous disant, nous avons vos enfants. Si vous voulez les revoir, vous devez laisser le culte s'implanter dans la ville. Ils vous ont pas dit où ils étaient? Les enfants? Non, oui. Ah ben non, sinon je pense bien que j'aurais été les chercher. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je vous montre, mais je préfère que vous me suiviez. Pas de problème, si ça vous dérange pas, j'aimerais autant éviter de passer par la foule. Oui, alors ce que je fais, c'est que j'enlève ma carte. Écoutez, je vous donne rendez-vous. Donnons-nous rendez-vous dans la bâtisse, si ça vous convient. Dans, mettons, 2 heures. Ok. Ouais, on va faire ça. Ça t'ira? Oui. Je viendrai avec toute l'équipe. Ok, ça va. Pas de problème. Bien. Et il s'adresse à Pelfort et dit... Mais Pelfort, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, monsieur. Puis ils sont par la porte arrière... pour éviter qu'on les voit et qu'on les aperçoive. Ah, pareil, je m'en vais, je retourne au bateau. Ok, donc tu retournes au bateau. Attends, je suis en train d'essayer de remettre. Je sais plus où je l'ai mis. C'est quoi, le bateau? Non, je suis en train de chercher. Voilà. Je voulais remettre la porte de Silek. La porte de Silek. Voilà, ok, donc tu retournes au bateau. Bon, tu te feras un chemin parmi la foule qui est toujours autour de Cthulhu, échoué. Et tu repars au bateau. Et maintenant, on repasse sur... Vous deux d'abord. Oui. Vous deux. Bah, on arrive au bateau avant Gaël, Jeanne ou... Bah en fait, vous êtes arrivé avant. Okay. Avant tout le monde. Oui, vous arrivez au bateau et vous constatez que Fidélis et Azur manquent à l'appel. Du coup, je regarde un peu partout et j'essaie de voir où est le capitaine. Si je le vois, je vais vers lui. Ok. Je le vois, je vais vers lui. Il est en train d'aider aussi à sortir les caisses. Il les met pour l'instant le long. Ils les mettent ici, ils sortent les caisses et ils les mettent ici le long pour ensuite être transportés après dans l'entrepôt. J'arrive. Dites, vous n'avez pas vu
Les deux copains qui étaient censés vous aider? Ah, Fidelis et Azur, ouais. Oui, en fait, ils étaient en train de donner un coup de main, et puis, je sais pas, ils ont abandonné leur caisse ici. J'ai entendu un grand fracas, je me suis retourné, et je les ai vus courir. Mais je sais pas pourquoi ils sont partis en courant. D'accord. J'ai rien vu, moi, je vais te donner mes caisses. Voilà. Bon, il y a que... Marlène. Marlène, tu as vu quelque chose, toi? Ah, moi, non. Moi, je suis un peu déçu, parce que j'aime bien Monsieur Azur, et il est parti comme ça. Pouf. Et à un moment, je me suis retourné, et puis. Et puis, bien sûr, disparu. Je suis sûr, il va revenir, c'est bien, il va pas s'en aller comme ça sans m'avertir, enfin, je suis sûr. Moi, je vais vers le pirate bourré. Tu? Je vais vers le pirate bourré, il est encore. Tu vas vers le pirate bourré, il est toujours attaché à son bras et en train de. Je lui chatte dans le pied. Et oh, t'as pas vu les deux autres là? Enfin, t'as pas vu les gens s'en aller du bateau, toi? T'es qui, toi? Moi, je cherche pas. T'as pas vu des gens sortir du bateau? Mais je dormais! Laisse-moi dormir! Là, je regarde Doriel, puis je me dis, ça comment rien, celui-là, c'est pas possible. D'ailleurs, capitaine, c'est quand qu'on se débarrasse de lui? Moi, je voudrais bien le vendre. Hein, ça. Non, on a besoin de lui. Ben. C'est une source d'information, tu le laisses tranquille. Il sert à rien. Il est attaché. C'est normal qu'il sert à rien. Il dort tout le temps. C'est pire que le chat de l'autre, là. En tout cas, j'ai faim! Au loin, t'entends un gros... Oh, cul! Je déconne. 17. Allez! Ah, une fois qu'il est ici, ça compte pas. Bon, du coup, Mais s'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison, donc... D'ailleurs, il manque quelqu'un d'autre, ou... Il y a plus personne. Camus est parti, T-Bag est parti aussi. Randock, ils nous ont tous lâché. Randock est parti aussi. C'est bizarre quand même. T-Bag a donné un coup de main. Hein. T-Bag et Camus ont donné un coup de main pour sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Maintenant, tout est quasiment sorti. Et puis ensuite, ils sont partis de leur côté. Oui. Bon, du coup, c'est que ils avaient un truc pressant à faire. Du coup, ils étaient en train d'aider, donc j'imagine qu'ils vont revenir. Donc, je pense qu'ils ont un truc à faire. Et puis, oui. Ils vont sûrement revenir. Du coup, bah. Ok. À ce moment-là, Jade arrive. Hello, dear. Ah bah ben, voilà. Je t'explique vite fait. Il y a Azur et Fidelis qui sont plus là, ils sont partis. En fait, il n'y a plus personne sauf nous trois et le capitaine. Ils sont partis précipités en. Il y a Marlène et les 5 pirates encore. Et le pirate. Et j'imagine qu'il y a toujours Anthony. Et il y a toujours Anthony qui est là et qui a donné un coup de main. Et maintenant, il est en train de. Avec un petit couteau, il est en train de déguiser un truc. Et il trépigne d'impatience, Anthony, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de revoir son papa. Ok, alors moi, je vous explique la situation. J'ai vu le maire. T'as vu le gouverneur? Le gouverneur. J'ai vu le gouverneur, il m'a donné rendez-vous à sa maison, à sa demeure dans 2 heures. Je comptais emmener avec nous le pirate, parce qu'il m'a dit que les gens qui ont kidnappé ses enfants avec un tatouage, donc je vais montrer à la nuit des enfants. Savoir si c'est de cette personne-là qu'on parle. Se travailler avec ce gros tas, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, hein. Surtout que. Bah, j'ai déjà porté une fois, je porterai une deuxième fois, c'est pas ça le problème. Oui, mais bon, que tu réveillé. Une n'importe quoi. Ah, une pomme. Ah, bah, si, avoir une pomme, alors. On va essayer de le dessouder d'ici là. Et au pire, on vous fera un coup sur la tête pour que c'est bon ici. Donc, on le retrouve là-bas dans 2 heures. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on attende. On ira avec le gars avec le tatouage, je m'en fous de ce que tu vas dire, c'est comme ça et autrement. Et avec Anthony. Je n'ai pas encore dit qu'on avait retrouvé Anthony. Parce que j'aimerais d'abord... parce que j'ai voulu d'abord lui poser des questions sur qui elle avait emmené et tout. T'as bien fait. Voir s'il n'y avait pas des trucs bizarres. Parce qu'il parlait de la secte de Coquelèche, on les a quand même retrouvés près des pirates, c'est pas normal maintenant. Si jamais le tatouage que la nounou a vu correspond avec le tatouage du pirate, là, ça voudra dire que soit c'est lui,
soit c'est un des quatre autres qui nous avait parlé. Et à ce moment-là, si jamais c'est le méchant des quatre autres, il pourrait être lié à la secte de Coquelèche, mais ça explique toujours pas pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé sur l'île des dragons, avec les pirates plutôt qu'avec les gens de Coquelèche. Ouais. Donc il y a quelque chose qui... Il y a toujours une clé qu'on n'a pas. Soit les pirates sont liés à la secte de Coquelèche, soit... En fait, c'est la seule solution que je vois pour moi. C'est que les pirates sont liés à la secte de Coquelèche, mais ça paraît bizarre. Les pirates sont comment liés à la secte de Coquelèche, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté de là où on était censé les trouver? Et pour moi, je trouve qu'ils ont été très peu protégés. Les pirates auraient peut-être voulu les garder pour eux en rompant le contrat avec la secte. Je propose qu'on en discute avec les deux autres. En attendant, on va aider à débarrasser le bateau. Si d'ici une heure ils sont toujours pas revenus, on va commencer à les chercher. Le bateau est débarrassé. Ah, il est débarrassé. Et c'est terminé. Bon, on va attendre. On va attendre sur le bateau pendant une heure et demie. Allô. Oui. Bon, on va attendre une heure et demie. Midi. S'ils sont pas là, on se dirigera vers le. On va les chercher. Oui. Et puis on laisse en haut. Ouais. Bon, on aide du coup. Bah, vous rien en fait. Ok, on repasse sur Fidelis et Azur. Tu feras un petit peu après. Mais c'est pas de tout. Alors, Vlamdok, vous a dit de le suivre. Et puis là, il va un peu plus loin et il se recule. Et puis il dit bon, alors les gars, qu'est-ce que vous voulez? Mais je sais pas, t'agis bizarrement depuis le tout début. Je veux dire, on est tous dans la même merde, ça serait bien de nous faire un petit peu confiance, tu penses pas? Ouais, d'accord, ok, vous avez... Sauf si t'as quelque chose à cacher. Non, non, vous avez joué les héros, c'est bien, mais bon, y a pas que... Enfin bon, j'avais des choses à faire, et je suis un petit peu énervé, mais maintenant, moi, il y a passé des jours, et me revoir au même point de départ, ça commence à me gonfler, quoi. Alors, vous nous avez sauvé la vie, merci, Fidelis, merci, Azur, c'est super, mais moi maintenant j'ai d'autres choses à faire. Écoute, actuellement on a le gouverneur qui est dans le problème. Je t'ai entendu, j'ai espionné ta conversation. C'est pas mon problème. J'ai tout entendu, toute ta conversation. Alors maintenant, soit tu te mets à table maintenant, soit tu vas finir en feu. Je ne parlais pas du gouverneur. Non. Je ne parlais même pas de vous deux. Même pas de notre aventure. C'est tout autre chose. Je m'adresse au MJ, putain. Ah. On est dans un coin seul. Vous êtes reculé. Il n'y a personne autour de vous qui peut vous entendre. Okay. Sauf si vous vous mettez à gueuler, bien sûr. Ok. J'agrippe le gobelin. Je soulève et je le plaque au mur. Et je regarde dans les yeux et je dis, maintenant, tu vas nous dire ce que tu lui as dit. Parce que depuis le début, on a du mal à te faire confiance. Non. Laisse-moi terminer. Depuis le début, on a du mal à te faire confiance. Tu nous caches des trucs et t'es vil dans ta façon d'agir. Donc maintenant, tu passes à table ou bien j'emploierai la manière forte. Fais-moi un jet de persuasion. Plutôt intimidation pour le coup. Intimidation. Oui, l'intimidation. 25. Ok. Donc, donc tu le menaces et tu réussis à lui faire peur. Et il paraît un peu effrayé, surtout par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et il se ravise et il fait ouais. Ok. Vous savez garder un secret? Oui. Oui, ça ne devrait pas trop poser de problème. Tout dépend du secret, ça dépendra... Je pense que tu n'es pas dans une situation... Alors je ne dirai rien. Vous êtes des personnes d'honneur ou vous n'êtes pas des personnes d'honneur? Est-ce que je peux vous faire confiance, oui ou non? On doit conserver le secret de qui? Je vais vous révéler mon métier. Et je veux que ça reste entre nous. Très bien. Je suis chasseur de primes. Et tu as été engagé pour chasser qui? Personne ne m'engage. Je vais dans ma guilde. Il y a des contrats. J'en choisis un. Je le mène à bien.
et jusqu'à présent, j'en suis à mon 9e contrat. Celui-ci était mon 100e. Desserre un petit peu, Azur, s'il te plaît. Et qui était ton 100e contrat? Azur. Je... Je suivais quelqu'un. C'est un vieux contrat. C'est un très vieux contrat, mais qui paye très bien. Je m'en fous que ce soit un vieux contrat ou non. Je demande qui. Avant qu'il réponde, je murmure quelque chose et je caste détection de pensée. Ok. Pendant toute la durée du sort, vous parvenez à lire les pensées de certaines créatures. Quand vous lancez ce sort, puis en tant qu'action à votre tour jusqu'à la fin du sort, vous pouvez focaliser vos pensées sur une créature située dans votre champ de vision dans un rayon de 9 mètres. C'est bon. Si elle dispose d'une intelligence de 3 ou moins, ou ne parle aucune langue, elle n'est pas affectée. Ah, mais le problème, c'est que c'est pas suffisamment donné dans les détails, parce que je crois qu'il y a un jet de sauvegarde qui peut le contrer. Vous lisez d'abord les pensées superficielles de la créature qui occupe son esprit à cet instant. Lors d'une action, vous pouvez diriger votre attention sur les pensées d'une autre créature ou tenter d'approfondir la lecture des pensées de la même créature. Je tentais évidemment d'approfondir la lecture des pensées. Si vous approfondissez votre lecture, la cible doit effectuer un jet de sauvegarde sagesse. En cas d'échec, vous obtenez accès à son raisonnement, le cas échéant, à son état émotif et à une pensée qui préoccupe son esprit sur un spectre plus large, tel un souci, un amour ou une haine. En cas de réussite, le sort prend fin. Dans tous les cas, la cible est consciente que son esprit est sous votre regard. À moins que vous dirigiez votre attention sur les pensées d'une autre créature, la cible peut utiliser son action à son tour pour faire un jet d'intelligence contre votre jet d'intelligence. Si elle gagne, l'opposition, le sort prend fin. Les questions dirigées vraiment vers la cible orientent le fil des pensées. Ce sort est particulièrement efficace lors d'un interrogatoire. Vous pouvez aussi employer ce sort pour détecter la présence de créatures pensantes qui vous sont visibles. Ok. Donc, a priori, sans contre-jet, j'ai les pensées superficielles à l'instant T. Si j'approfondis, il faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde sagesse dans un premier temps. Et si elle le rate, j'ai accès à ses pensées de manière plus profonde. Ok, donc tu fais ça. Mais il est conscient que je cherche dans ses pensées. Il vient de retomber par terre, hein, et il se relève, il est un petit peu étourdi, t'en profites pour lancer ton sort. Quelles sont les premières pensées auxquelles j'ai accès? J'ai mal au cul. Ah putain, j'ai mal au cul, ce con, il m'a fait mal. Voilà, ça c'est ses premières pensées. Pensées, c'est, toi, un jour, tu te prendras, je vais te défoncer la tranche. Ça c'est la première pensée que tu vas avoir, parce que tu l'as fait juste après que... Il y a une haine viscérale vis-à-vis de toi, visiblement. J'esquisse un demi-sourire, et puis je laisse Fidelis continuer l'interrogatoire. Tout en concentrant mes pensées, du coup, sur... Ok. Du coup, alors maintenant, tu vas me dire qui est ta cible. Qu'il fasse un jet... Là, maintenant, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde sagesse. Ah, c'est valable pour n'importe qui pose la question, je pensais que c'était que toi. C'est valable, c'est détection de pensée. Et j'approfondis mes pensées. Ouf. Il a fait combien? Il y avait combien? 20. Bon, bah, j'ai cramé un sort de niveau 2 pour rien, c'est bon. T'es lancé une merde là. Je le prends. Hein. Ah ouais, non, oui, non, je te crois. Je te crois. Mais ça, par contre, j'aime pas. Parce que. Oui, rien n'empêche de le recaster. Hein? Ça m'empêche de recommencer. Hein. Parce que si j'ai envie de tricher, je peux, parce que je suis dans le studio. Mais repose la question. Qui était ta cible? Il s'avère qu'une partie du contrat était sur ce bateau. Et je vais pas tout vous dire parce que je veux pas que la personne s'en aille. Mais au départ, j'étais pas parti pour ce contrat-là. J'en ai d'autres. Quand je vous ai vu embarquer sur le bateau. J'ai cru reconnaître quelqu'un. Et ça m'a rappelé un vieux contrat. J'ai approfondi la chose et... Ben...
Je pense que j'ai raison. Mais j'en suis pas sûr. Et pour ça, il va falloir que je prenne des copains qui viennent vérifier avec moi. Et si c'est le cas, ben. Vous supposiez quoi? Vous avez reconnu qui? Je veux des noms. T'avais fait 20, t'avais fait combien? Sur quoi? En persuasion. Perspicacité. C'était quoi que t'avais lancé? C'était. Je sais pas, perspicacité. Tu avais pas fait de. T'avais fait un jet de quoi? Justement, c'était de la perception. Je n'ai pas. Non, perception, c'est pour entendre ce que tu veux. Perspicacité, c'est pour. J'en ai pas fait de jet pour l'instant. D'intimidation et tout comme ça, j'en ai pas fait. L'intimidation, c'était pourquoi j'ai l'intimidation tout à l'heure? Et j'en ai pas fait. C'était moi qui l'ai fait, l'intimidation. Par rapport à qui? Bah, par rapport à Vandoc. Oui, Vandoc, il se ferme, il peut pas te répondre. Bah, t'inquiète pas. Donc, je vais commencer. Je vais lancer Thaumaturgie. Donc, pour imposer une certaine ambiance pesante sur Vandoc. Ma voix va être beaucoup plus lourde, va presque être assourdissante à ses oreilles, et mon regard beaucoup plus appuyé. Et tu lui dis quoi? Et je vais commencer à lui dire. Attends, parce que j'ai pas préparé le truc. Je sais ce que je veux. Ce genre d'encontrage, j'en connais aussi. Rien ne m'empêche. Qu'un de ces contrats soit sur ta tête aussi. Et je commence à déblatérer là-dessus et essayer de l'intimider pendant une longue minute. Je tente de l'intimider, je tente de lui faire peur et j'imprègne chacun de mes mots d'une magie insidieuse. Fais-moi un jet de sagesse. 10. Il est terrorisé. Ok. Il est terrorisé. Alors il commence à tremper, il fait. Mais vraiment, c'est. D'accord. C'est une paranoïa dans sa tête. Il est persuadé à l'instant T parce qu'il a senti que j'avais utilisé mon pouvoir pour détecter ses pensées. Mais il sait pas que. Enfin, il sait que pour l'instant il a plus pouvoir sur ses pensées, mais il sait pas ce que je sais. Et il est persuadé que je sais tous ses secrets et que je pourrais le faire plonger dans une misère dont il ne se relèvera pas. D'accord, arrête, non, pas ça, non, s'il te plaît, arrête pas dans mon esprit, non. Je vais tout te dire. Bah, tu vois, il en a des cris. Il est beaucoup plus coopératif que ce que je pensais. Il en a des plaintes, il fait... Bon, du coup, c'est qui ton contrat? Quand j'étais petit... Non, ça c'est si tu veux faire un football. Non, mais il craque le bâton. C'est vrai, j'ai jeté qu'il vaut loin. Tu sais, il y a un champignon nucléaire. Regarde, une boule de feu. Là. Non, ça j'aurais fait ça s'il avait fait un fumble, c'est pas le cas. Donc il fait. Oui, quand j'ai commencé à la guilde, elle était déjà là. Il y avait déjà ce contrat. C'est un vieux contrat. Mais qu'est-ce qu'il dit contrat exactement? Contrat de Gabriel. Il cherche son petit-fils. Il cherche Bram. C'est Bram. Je suis sûr, c'est Bram. Gabriel Phanogène. C'est lui. C'est un contrat. 10 000 pièces d'or pour Bram. Je suis sûr, c'est lui. Et il faut le ramener vivant. Oui. Il se vole. Oui. Vivant, obligatoire, oui. Obligatoire vivant, famille Gabriel. Bon, tu vas te calmer, déjà, pour commencer. Parce que si tu te calmes pas, moi je révèle tout. Attention, vous. Non. C'est petit, tu dis quoi? C'est bien, c'est gentil, tout. Bien, et qu'est-ce qu'il disait d'autre, ce contrat? Il disait, petit-fils kidnappé, cherché, ramené. Vivant, c'est, obligatoire c'est... vivant. C'est un semi-orc ou il y avait des phrases construites en entier?
Et il a un petit peu nerveux. Hein. En fait, Gabriel, il a perdu sa fille et son gendre et il pensait que c'était pour une rançon et personne n'a jamais réclamé de l'argent à lui et du coup il a lancé cette demande pour qu'on le récupère, qu'on le retrouve et on l'a jamais retrouvé. Et c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure avec le marchand ? Oui. Vraiment ? Oui. Je jure. Contrat, kidnapping... Et kidnapping, cette histoire de kidnapping... kidnapper Bram. Il parlait de kidnapper Bram. Kidnapper Bram. Très bien. Il n'a pas l'air d'être kidnappé, à ce que je sache. Non, Bram a l'air libre comme l'air. Parfois un peu trop. À un moment donné. 10 000 pièces d'or, c'est ça? Combien t'as sur toi? Plus. C'est intéressant ça. Oh. 10 000 pièces d'or, quand même, c'est tentant. Et donc, tu comptais kidnapper Bram. Tu tiens vraiment à ta vie, toi. C'est... Mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que. Il commence à reprendre un peu sa contenance. Mais c'est pour ça que je devais demander aux autres. Et pour ton 100e contrat, ça te dirait pas d'en faire un autre? Non, parce que ça serait con que tu y laisses ta vie avant de terminer. J'ai vu de quoi vous étiez capable et c'est pour ça que je suis parti discrètement et que. Et je voulais montrer à. Au marchand, bon, j'ai cité le nom tout à l'heure, donc je me souviens plus du nom. comment, je voulais lui montrer le document, et alors là, il sort un document. Voilà, tout chiffonné, tout vieux, tout dégueu. Et dedans, dedans, tu vois en fait un emblème, un symbole, qui représente le symbole de la famille Calogène. C'est un... Alors, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un blason avec un F et un G entrelacés avec un C tout autour. Un F et un G avec un C. Un F et un G entrelacés. Oui. Et entouré d'un C. Très bien. Oui, ça représente un blason. Et sur les bords, il y a des... Comment ça s'appelle ça? Des cristaux. Donc sur les bords, c'est fait de cristaux. Ça c'est ce qu'il y a tout au-dessus. Juste en dessous, il y a la tête d'un enfant qui visiblement a des airs de famille avec Bram. C'est marrant. Et en dessous, ils mettent Célestin Phalogène disparu. S'appelle Célestin. C'est ce que je lui dis. Disparu, récompense, vivant obligatoire, condition sine qua non, récompense 10 000 pièces d'or. Et vas-y, on le donne avec son prénom. Oh, ça j'ai une idée. Ça t'embête pas si je garde ça? Non, on a des copies. De toute façon, tu abandonnes ce contrat, n'est-ce pas? Mais je crois que j'ai plus trop le choix. Sauf si peut-être que on peut s'arranger entre nous. Non. On dit à Bram qu'on a retrouvé son grand-père, on va le conduire là-bas, hein, et puis on se partage la récompense. Non, tu vas faire d'autres contrats, comme tu sais si bien le faire. T'as pensé à consulter? Parce que j'ai l'impression que t'as des pensées suicidaires, non? Mais non. Tu mets fortement. Mais comme ça, vous voyez pourquoi je voulais pas en parler. Je le savais. Vous êtes tous trop droits. Non, c'est juste que dans la vie, il y a des choses bien plus importantes et bien plus intéressantes que l'eau. Non. toi, t'es pas là. Toi, t'es pas là. Il a entendu un. J'ai entendu une voix là, non? Non. Je peux y aller? Oui, bah, c'est bon. Vous n'entendrez plus parler de moi. Ben. Déjà, ne vous savez pas! Et il s'en va. Oh, bah. Tu sais que normalement, mon sort de terreur, il dure une heure.
Oui, ben, il a peur de toi. Il fait pareil parce qu'il a peur de toi. Il est content d'être cette partie. Bien. On va retourner près des autres. Hein. On va. Ça, ça m'intéresse. On va retourner aider le capitaine. Ouais, peut-être que je demande son nom à lui d'ailleurs. Le capitaine ? Oui. Alors, ça fait une semaine qu'on m'appelle mon capitaine, mais. Il y a le gouverneur aussi. Mon gouverneur. Bon gouverneur. Oui, on va retourner sur le bateau. Ça fait combien de temps qu'on attend nous ? 4 heures. Non, là, ce qui se passait, c'était pendant que vous étiez en train de discuter avec Jade sur le bateau. À tes souhaits, Jade. Merci. Ok, donc vous arrivez sur le bateau. Et là, vous les voyez tous les trois. Ils sont partis, Tibag et Camus ? En train de discuter. Moi, j'ai joué à Oxo avec vous. J'ai encore gagné, t'es vraiment mauvais là. C'est pas ma faute. Oui, bah, ils sont partis avant qu'on revienne, donc on imagine qu'ils sont partis pour de bon ou pas. On ne sait pas. On a rendez-vous avec le gouverneur. Oui, un sourire bizarre. Pourquoi ils ont des sourires bizarres qui me font peur ? On a rendez-vous avec le gouverneur. Oui, c'est bien, c'est bien. Attends, 30 secondes. Comment ça va, Célestin ? Merci pour ces informations précieuses, Célestin. Qui est Célestin ? Là, je me rapproche aussi je me rapproche déjà pour lire le truc avec elle. Non. Gabriel, ça te dit rien ? Mais qu'il était mignon quand tu l'as fait ! Je fais un jet de perspicacité pour savoir si il ment. Toi, tu dois faire un jet de persuasion. C'est ta persuasion contre ma perspicacité. Je pense qu'il peut vite. Ah ouais! Fumble! Tu fais 6, t'as fait combien? Fumble! Est-ce qu'il ment? Est-ce que tu mens? Tu dois me le dire. Oui. Ok. Rappelle la question. Lui, il a dit c'est pas mon nom. Moi, j'ai fait un jet de perspicacité pour savoir s'il ment contre sa persuasion. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Il me donne. Donc, il m'a dit, c'est pas mon nom, mais je sais qu'il ment. Je sais qu'il ment, je sais que c'est son nom. À part faire des plans de merde. Tu sais qu'il y a une petite récompense de 10 000 pièces d'or. Tais-toi, il serait capable de se rouler. Et de ramener un billet à sa famille. T'as combien sur toi, mon brave? Maman Gabrielle. Je n'ai absolument rien à voir avec ce. Mais non, c'est bon, je sais que tu mens, arrête tes conneries, hein. Non, non, vraiment. Ouais. Bon. Tu as combien sur toi, mon cher? 2. Alors, tu vas nous expliquer maintenant. Oui, là aussi, je sais que tu mens, mais j'ai pas l'intelligence. Non, vraiment. Non, mais c'est pas tout. Je ne connais pas. Zut alors. Par contre, je suis quand même curieux d'avoir des informations supplémentaires. Ça t'embêterait pas de nous accompagner jusque-là, non? J'irai pas là-haut. Tiens donc. Mais c'est bizarre ça. Pour quelle raison on dirait pas là-haut? Pour des raisons qui ne vous concernent pas. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception? Oui. Attends, des perspicacités. 14. Et si je veux qu'il détecte quelque chose sur un objet? C'est perspicacité? Non, c'est l'empathie. Perception? C'est moi, je dirais perception. Ah, perception plutôt. 16, ok. T'as remarqué quelque chose qui t'a frappé dès que tu l'as vu? Hormis ta tête qui a l'air effectivement, tu trouves que tu y ressembles quand t'étais plus jeune. Mais par contre, t'as repéré que l'emblème au-dessus est la copie conforme de la bague que t'as récupérée de ta main. Mais ça, j'ai pas fait attention, moi. Je suis trop dans mon délire de genargue Célestin. C'est vrai. On a fait un petit papier à côté. Yes, Célestin. On te cherche, visiblement. Non, vraiment, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Peu importe. Oui, alors, c'est bien. N'empêche que t'as un contrat sur ta tête à 10 000 pièces d'or. Oh, by the way, c'est pour ça qu'il était là. Mais si on continue de te trimballer, on risque d'avoir des problèmes. Donc, soit tu nous expliques tout maintenant, soit tu restes là. Non, parce que. Eh ben alors, je resterai là. Je vais le ligoter. Il s'agit de faire preuve un petit peu de diplomatie. Célestin. Ce contrat, on s'en branle. Et je le jette vraiment derrière moi. Je réagis, on s'en branle. L'or, moi, ça m'intéresse pas. Et je sais que vous en avez récupéré plus que ce qu'il en faut. Bien plus que ce qui est marqué sur le contrat. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les informations. Et vu qu'on est visiblement censé faire un petit bout de chemin ensemble, d'après la prophétie de la vieille,
et vu ce qu'on est en train de vivre, on risque de passer encore un bout de temps ensemble. Donc, j'ai conscience que tu ne veux pas y retourner, je n'ai aucun problème avec ça, ton passé te regarde toi-même et personne d'autre, je ne lui opposerai pas. Cependant, je pense que tu nous dois quand même quelques petites explications par rapport à ça, sachant qu'il y a un contrat à 10 000 pièces sur ta tête, et qu'il y a un gobelin qui nous a traîné dans les pattes qui projetait de te capturer. Tu risques pas de m'en croire d'ailleurs, je pense que je l'ai traumatisé à vie. Mais voilà, de rien en fait. Mais j'aurais besoin de quelques informations. Je pense que tu me dois bien ça. En effet. Tu vois quand on veut. Mais... J'ai une communication avec les rats. Cependant, les informations que tu me demandes font partie d'une autre vie que j'ai enterrée il y a bien longtemps et que je ne ressortirai plus jamais. Bah, tu vas les déterrer vite, toi, aller le donner. Sinon, tu vas devoir enterrer une seconde vie, ou plutôt, nous allons devoir enterrer une seconde vie. Si tu vois ce que je veux dire. Clin de l'œil, clin de l'œil. Ok, mais alors je ne donnerai pas les plus grands détails. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais ouais. Tu me dois quelques explications. Oui. Vous avez du bol, hein, parce que toutes ces informations-là, normalement, ça... Ça racle. Je... Ça ramasse. Tu veux, alors... tu veux de l'argent? Attends, attends, attends. Petite pause MJ. On a le droit à la caméra Ouais, j'en sais rien, en vrai. Tu devrais le flouter. Petite pause MJ. Oui. Tu te souviens de ton background ou... Oui, oui. Ouais, ok, ça va. J'avais peur que tu floutes le truc parce que tu te souvenais. Okay, non, c'est... Non, c'est tout. C'est pas... Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est juste au cas où. Non, t'inquiète. Ok, pas de soucis. Il y a trois lignes. Non, je rigole. Non, je rigole, s'il vous plaît. Pour vous la faire courte, on va dire que j'ai pas spécialement une grande empathie envers mes parents. Et que j'ai décidé de partir de mes propres ailes, très jeune. Mis à part ça, rien d'autre de particulier à dire. Mais pourquoi t'as pas de... Pourquoi t'as pas d'atome crochu avec tes parents? Oh. Des riches, tu sais. Alors, ils utilisent les enfants comme des... Comment dire? C'est très... tes phrases ou... C'est en DLC? Ça m'énerve énormément en fait, parce que mes parents ont vraiment été des sombres abrutis, si je peux le dire comme ça avec moi, dans ma jeunesse. Donc j'ai décidé un jour de partir de mes propres ailes, ça m'a profondément marqué. Et mis à part ça, je n'ai rien d'autre de particulier à dire. Donc, t'es parti et depuis, il y a des riches qui veulent te retrouver. C'est ça. Et il y a une raison pour laquelle ils veulent te retrouver? Je suis leur enfant, donc j'imagine qu'ils sont capables de débourser quelques pièces, c'est gros rats, si je peux le dire comme ça. Mais c'est peut-être qu'il se fout de la charité. Non, vraiment, mais... Enfin, ce que j'appelle parents, non, n'ont pas été là. La chose la plus facile à vivre. Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai décidé de partir. Et... Bah, j'imagine qu'ils veulent me retrouver, mais jamais je n'irai. Et tu as déjà pensé à des volets? Oui. Bien. Tu réussis. Mais pas. Un jour, je me vengerai. Ils ont ce qu'il faut. Mais je les ai déjà techniquement volés. Je suis parti avec quelque chose. Donc, et okay. Du coup, on doit t'appeler Célestin? Non, surtout pas. C'est pas mon nom. Ok, Célestin. Maintenant, c'est bon. Et ça sera Célestin quand je me rends. Je vais te frapper. Moi aussi, d'ailleurs. Je vais t'insulter. Tu fais ce que tu veux. Je vais t'insulter. Une claque. Tout doux, Célestin. J'ai fait deux. Ça vaut même pas la peine. J'ai cassé le poignet. Ah mais je dois pas faire de lancer, c'est contre Massia. Oui, mais justement, ça vaut même pas la peine. Bah donc tu te lances pour lui envoyer une bonne claque, mais Azur fait un pas de côté, il fait 90 degrés, hop, comme ça, et il t'évite. Je vais mériter quand même ça, là. Oui, je sais, je mets les deux. Mais je me branche pas. Tu es sûr qu'on doit le garder? Est-ce que je peux la frapper aussi? Brasse-toi, hein. La prophétie nous l'a dit. Ne touche pas. Non. Mais mets-le en prison, c'est pas possible. Oui, son agilité, on aurait fait. Fumble et puis
tu rates deux fois. Non, franchement, t'es pas en train de se dé. T'es puni. Il n'y en a pas d'autres. Tu vas avec les autres. Ok, je sais pas, t'as encore d'autres choses à déclarer, à avouer, ou quoi que ce soit, des questions à poser par rapport à Bram, à Célestin? Non, Bram. C'est Bram. Non, maintenant c'est Célestin. Non. C'est fini. Ça sera Célestin quand il fait des conneries. Donc t'as intérêt à plus faire des conneries. Ah là là. Merci. Non, mais tant qu'on est sur l'instant révélation. On peut revenir sur l'épisode du rocher? Non, parce que je te rappelle que je me suis fait pisser dessus à cause de toi. Tu me donnes des explications là, et bien plus que. Quoi. Très bien, alors si je donne mes informations, je les donnerai précisément. J'exige un peu plus d'informations du côté de notre cher Bram. Tu parleras. Gouverneur, rendez-vous! Alors je ne dirai rien. Je m'en fous! On a le temps, c'est dans 2 heures. Dans 1 heure. Je sais pas, c'est vrai. C'est dans combien de temps le gouvernement? J'ai une situation du temps quand même. Hein. Alors ça fait une demi-heure que vous êtes là. Bon, pour en revenir. Une petite heure à notre cher. Erika, il y a de la boutique. Moi aussi je veux parler. Pour en revenir à notre. À notre rocher, la personne, le pirate, à ce qu'on appelle le tatouage du coup du Cthulhu dans son dos. Ce même tatouage était porté par les assassins de mes parents lorsque j'étais très jeune. Les seules informations que j'ai par rapport à eux, bah, c'est ceux qu'on a maintenant, les noms, les 5 noms, et que Ishii venait chasser mon père. Et alors, si clair. Mon père était un soldat, il est parti. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'ils l'ont chassé? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je cherche à me venger de tous. Je vais tous les tuer. D'accord. Y compris le mec qui est sur le bateau. Ah, tu veux dire lui là? Dès qu'on en aura plus d'utilité, il mourra. Non, on en a besoin. Donc tes parents. Dès qu'on aura plus d'utilité. On peut le vendre? Non, il meurt. C'est lui qu'on va vendre, putain. J'avoue, il vaut plus que l'autre. C'est pas faux. Bah. Donc, tes parents, ils ont été la cible d'une association avec un tatouage de pierre sur le dos. Ça. Oui. Et ils se sont fait buter. Oui. Et ensuite? Bah ensuite, moi je m'étais caché, donc ils ne m'ont pas trouvé. Mais moi j'ai vécu dans les villes en voyageant comme ça, j'ai été récupéré par une amie de mon père, Eloy, qui était magicienne et qui m'a appris les arts de la magie. Bouh. Bouh. Oh bah t'es super puissant. Et je place au-dessus de mon genou. Ça ressemble à ça, non, le truc avec la bouche. Ah, il est effrayant. Ouais, j'allais le dire. Tête de poulpe. Ça ressemble à ça, le tatouage. Aussi curieux que ça puisse paraître, étant un artiste, mes talents en dessin sont limités. Mais je suis persuadé que je dessine bien. Alors si je regarde, je dessine et je fais, est-ce qu'il ressemblait à ça? Oui. Là, il y a la grosse goutte. C'est son côté. Parfait. Parce que j'ai mal pris. Va te prendre là, sinon. Tiens. Parce que. Voilà, comme ça, on aura la. Comme ça, si tu veux te refaire le tatouage un jour. En souvenir. Des tueurs de tes parents. C'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, très bien. Tant qu'on parle de ça, il a parlé ou pas l'autre ivrogne qui est. Enfin, vous voyez la chose qui est par terre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ma liste de morts. Mais Ok. Aucune information autre que ça sur l'île du dragon ou pas? Bah. À part que. On a des infos sur les dragons. Enfin, je veux dire avec les pirates au niveau de l'île des dragons. Tout le sache. Je t'ai dit tout seul. En gros, la nounou des deux fils, des deux enfants du gouverneur, a vu les enfants se faire kidnapper par des gens, dont un avait un tatouage, mais je me souviens pas du
lequel. Donc je sais pas si c'est un doudou, je sais pas si c'est... Bon, on retrouve la nounou et on demande de montrer le dessin. Oui, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que je veux aller chez le gouverneur avec les birognes et le gamin. Pour avoir des informations. Parce que peu de temps après, après qu'il soit fait kidnapper, la secte de Coquelèche a dit que s'il voulait revoir ses enfants, il fallait laisser la secte envahir le continent. Enfin, cette partie-là de... Du coup, ils envahiront que la moitié, puisqu'on en a déjà un. On peut avoir les deux si on y retourne, mais la question, ouais. Qu'est-ce qu'ils font là-bas et pas dans la secte de Coquelèche? Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je vois quand même un problème. On va se trimballer dans le dos, je sais pas comment, un pirate quand même un peu alcoolisé dans toutes les rues jusqu'à la demeure. Il est plus bourré. Il est plus bourré, juste il fatigué. Il est fatigué, mais il est plus bourré. Écoute, il a cuvé toute la nuit, il a dormi la nuit, il se réveille, il a cuvé. De toute façon, c'est quoi le problème? On l'assomme, on le transporte comme s'il était complètement torché, et si les gens nous posent des questions, on dit qu'il a trop bu, puis c'est tout. Ouais, ça me paraît bien. De toute façon, je veux dire, c'est un marin, ça boit tout heure. De toute façon, ça le s'emballe que pour l'aller, croyez-moi. Non ? Si. Il ne vivra pas. Ça, vous m'empêcherez pas. C'est pas lui qui a tué tes parents, il a dit. Je m'en fous, c'est leur secte. C'est la même organisation. Mais ils étaient plus qu'un quand ils ont assassiné mes parents. Plus pas. Qu'un. Donc crois-moi. Deux, ça fait plus qu'un. Il mourra, je m'en fous. Si telle est sa volonté, moi je ne peux que la respecter. C'est mon avis. Tuer pour le plaisir de tuer, ça ne permet pas des gens. C'est toi qui n'as rien fait. Ne... Vivant, t'aura plus d'informations que s'il est mort. Une fois qu'on a toutes les informations, il mourra. Il nous saura peut-être. Quand est-ce que tu sauras qui t'a donné toutes les informations? Quand j'aurai estimé qu'il aura donné toutes les informations. Il aura bien tout le monde. Ouais. Il aura tout. Oui, il me reste plus ou moins une heure. Le trajet prend plus ou moins 20-30 minutes. Moi, je vais faire un petit tour au marché. Ouais, on va faire un peu les marchés pendant 30 minutes. On va plutôt faire ça après. Ouais, parce que le rendez-vous. Oui, parce que 3 minutes pour faire ses emplettes, c'est court. Hein. Ah oui. Ouais. Le marché est là pour plusieurs jours. Ah, ouais, ok. Donc, on va à la demeure. Là, je pense qu'on peut tranquillement se diriger vers la demeure. Okay. Avant ça. J'ai demandé à Marlène si elle désire nous accompagner jusque là-bas. Ah oui, moi je veux bien, je veux bien, oui, pas de soucis. Qu'est-ce que je vais faire de mes pyramides, moi? Tu peux venir avec. Ou bien tu peux garder le bateau. Je comptais demander au capitaine de nous accompagner. Vous pensez qu'on peut faire confiance aux pirates, seul sur mon bateau qui vient à peine de revenir de... Je rappelle que c'est quand même ces pirates-là qui nous ont arraisonnés à la base. Non. Je vais vous laisser aller. Moi, je vais rester sur le bateau avec les pirates. On verra si... J'ai confiance en Marlène, hein, c'est pas le problème. Hein, mais bon, c'est un peu jeune, un peu... Non, je vais demander à des dockers de venir me donner un coup de main pour ce qu'on a descendu sur le quai. Les pirates me donneront un petit coup de main. Sinon, vous demandez aux dockers de surveiller le bateau et vous nous appuyez. Ça va me prendre un certain temps quand même. Vous trouvez les dockers et les faire venir. C'est vous qui voyez, monsieur. Mais pourquoi vous avez 3, 4. Vous avez besoin de moi, pourquoi? Bah, admettons que si on doit retourner sur l'île des pirates, on va pas y aller à la nage. Vous êtes au courant que le gouverneur a plusieurs bateaux à son service, hein, dont des bateaux de guerre. Ouais, mais c'est moins familial! C'est moins familial. Vous aimez bien? Je sais pas si. Vous êtes des aventuriers, moi j'ai besoin de dormir, hein, les gars. Mais écoutez, si on ne part pas dans l'heure, plutôt aujourd'hui, c'est envisageable. Je pourrais éventuellement vous accompagner, mais il faudra que j'ai une discussion avec le gouverneur dans ce cas. Ben, je suis très gaiement avec le gouverneur, parce que si ça tombe, comme vous dites, il mettra un meilleur bateau à notre disposition. Donc on verra bien. Quand même. Et là, il y a Anthony qui se relève, il fait « Dites !» Et il était là toujours avec son... Au début, son bâton, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. À force de le tailler en pointe. Et il fait « Mais tu vois ma place, quoi ?»
Moi, j'aimerais bien revoir papa. Ça fait des semaines, voire des mois que je l'ai pas vu. Et là, j'attends sur le bateau. Je veux bien être gentil et tout, mais... En plus, j'entends Jade qui a dit qu'elle l'avait rencontré. Quand est-ce qu'on y va, quoi? Nous y allons. On va pas trop aller. Attendez, les gars, vous pressez pas. Ce que je propose, c'est qu'on fasse le nécessaire pour qu'Anthony soit le plus discret possible. Parce qu'imaginons qu'il reste des pirates ou quelques personnes qui est sur le fort ou qui surveille les entourages de la demeure. S'il nous voit avec Anthony, ça risque de causer des problèmes, sachant que t'as encore un enfant, faut pas l'oublier sur notre île. À ce moment-là, j'enlève ma cape elfique et je la mets autour d'Anthony et je lui mets la capuche. On peut y aller. C'est fini. Merci Jade, merci. Vous avez une cape? Non, j'ai une cape. Lorsque vous portez cette cape... C'est un lien. Ah, il y a un lien. Oui, mais c'est pas grave. Oui. Il peut être caché quand même. C'est comme tu veux, mais au moins il est caché par quelque chose, quoi. Ouais. Même si il n'a pas les avantages au magique de la cape, mais ça reste une cape avec une capuche. Ouais. Parce qu'il me semble que tu as dit... Et là, Anthony se retourne vers toi, Abraham, et il fait... C'est très gentil pour moi, mais... Vous savez, cette ville-là, je la connais comme ma poche, et... La dernière fois, on a été très surpris. Ici, je ne me laisserai pas surprendre. Si tu le dis, plus t'as ton groupe de garde du corps. Ouais. Et ils sont badass, il fait. Qu'est-ce qu'on a, c'est une caméra circule. Et on nous voit prendre la pause. On ralentit. Et là-dessus, on va se terminer cet épisode. Et on reprendra alors ici, juste avant d'arriver chez le gouverneur. Le gouverneur. Voilà, merci à tous. Bisous. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Tu arrêtes, toi, ou on te vend. Célestin. C'est Célestin. Non.